Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça marche, ça? Voilà, très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Visiblement, vous êtes très nombreux, donc on est plutôt contents. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir. Merci d'ailleurs à toute l'équipe de Dijon qui travaille avec nous en parfaite coordination et collaboration depuis maintenant plusieurs mois. Merci, monsieur le président du groupe Vive. Le groupe Vive qui a souhaité ce festival et qui est à l'initiative de ce festival. Merci Martin Vautier, directeur du festival de la solidarité de Namur. Et en fait, ce festival est ni plus ni moins que la source d'inspiration de Vive les solidarités. Alors, une source d'inspiration parce que c'est un festival un petit peu à part. Je me permets de faire un petit écart sur ce festival, puisqu'il existe maintenant depuis 6 ans, hein, c'est ça ? Et qu'il regroupe le dernier week-end de janvier, le mois d'août, le dernier week-end du mois d'août, donc, près de 50 000 personnes. Donc voilà, il a commencé, vous étiez à combien la première édition, je ne sais pas, 23 000. Voilà. Donc cette année, nous, on est un petit peu plus modeste, c'est-à-dire qu'on va commencer par essayer de regrouper 15 000 personnes sur le parc de la Combe à la Serpent, les 8 et 9 juin prochains. Avec une programmation qui, on l'espère, va attirer le monde. Enfin, il n'y a pas de science exacte. Et c'est à nous de travailler pour faire en sorte que cette première édition du Festival du Charité soit un succès. Juste pour rappeler très rapidement le concept du festival, les solidarités. Donc le concept de notre festival, c'est de faire en sorte que, certes, c'est un festival de musique avant tout, avec une programmation faite pour le plus grand nombre, donc des types de musique extrêmement différents, et de façon à ce qu'on puisse avoir en tout cas l'ambition de regrouper un public plus familial que sélectif. Et puis surtout au cœur de ce festival, un village, je dirais plus qu'un village associatif, en fait, des initiatives solidaires, des associations locales, régionales, nationales, le monde mutualiste, pour promouvoir l'engagement et la solidarité. Mais ça, je laisserai la parole notamment à Thierry Baudet sur ce point et Martin Vautier. Pour l'heure, je laisse la parole à monsieur le maire. C'est très solennel, hein. C'est de la musique derrière, de la solidarité. Et donc, c'est un moment agréable de vous annoncer qu'il va y avoir un nouveau festival à Dijon. Et très heureux de voir celui qui marche à Namur pour venir ici s'implanter sur Dijon. J'ai eu l'occasion de saluer bien sûr M. Baudet, le président Baudet, et le directeur M. Clément. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux. L'éthique de ce festival mutualiste, l'éthique, elle est dans la solidarité. Et c'est quelque chose qui nous plaît à la ville de Dijon. La culture et la solidarité. La solidarité parce que c'est notre engagement politique, c'est notre engagement associatif et ça va s'adresser à des publics pour les sensibiliser à la mutualité. Très important de sensibiliser les jeunes, c'est ce que vous m'aviez dit, à la mutualité, parce qu'ils n'y pensent pas toujours, ils ne connaissent pas ces formes d'engagement qui sont des formes d'engagement finalement collectifs. Et donc il y a ce volet qui est particulièrement intéressant et puis il y a la partie culturelle. Parce que la diffusion musicale, c'est de la culture. Alors Dijon est très connu pour sa culture. Je parle de l'engagement financier de la ville pour la culture, puisque presque un quart de notre budget passe dans l'action culturelle. C'est ainsi qu'on nous dit souvent, mais vous n'avez pas de grand festival. Ah ouais. On a un concert de rentrée, il y a 25 000 personnes qui viennent Place de la Libération. C'est gratuit, parce que nous, quand on fait les choses, elles sont gratuites. Et donc, avec la mutualité, c'est pas cher. Donc j'en profite pour le dire aussi. Et donc, c'est intéressant, parce que l'idée, c'est de toucher le plus grand nombre possible de personnes, de les sensibiliser, bien évidemment. Et ça, la musique reste un formidable moyen. À Dijon, donc, on a un festival, on a d'autres festivals. Et puis, on a aussi, parce qu'on aime la culture, des gens qui sont en résidence. On a une troupe en résidence, on a les 26 000 couverts qui sont en résidence à Dijon. En résidence, ça ne veut pas dire qu'ils y sont tout le temps. Hein. Vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas. Donc ça veut dire qu'ils sont là, qu'ils créent ici, et puis qu'ils vont se disperser après et semer la bonne parole ici ou là. Mais il y a aussi des musiciens qui sont là en résidence. Je pense à David Grimal avec les Dissonances. Et puis il y a aussi des metteurs en scène, metteuses en scène, on pourrait penser à Maël Poésie par exemple. Bon bref, c'est une ville de culture, et donc nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous accompagner pour ce festival. Je crois que tout a été pensé, il y a un côté aussi, m'a-t-on dit,
écolo un peu, excusez-moi, je parle comme ça, mais c'est comme ça que les gens parlent, et un côté écolo, ça nous va bien aussi, parce que c'est aussi un de nos engagements majeurs. Donc, la mutualité, eh bien, on est des mutualistes dans l'âme, c'est-à-dire qu'on joue collectif, solidarité, forcément, culturelle et écologique, vraiment, ça va être un bon moment, j'en suis sûr. La Combe à la Serpent, c'est un endroit formidable. Celui-là, on le doit à mon prédécesseur, enfin à la nature. Ce qu'on doit à mon prédécesseur, c'est de ne pas l'avoir gâché, donc de l'avoir conservé dans la nature, je voulais le dire, et c'est très important. Et donc, je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde. Parce que à Dijon, ça marche, en général. Et si vous demandez à la responsable du Zénith, qui doit être dans le coin, c'est un Zénith qui fonctionne du tonnerre, le nôtre. Ici, il marche très bien, il y a beaucoup de monde, c'est une des salles qui marche le mieux en France. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes nous le prouvent tous les samedis, malheureusement. Il y a une capitale régionale, métropolitaine, entre Paris, Strasbourg et Lyon. Et elle attire tous les départements alentours. Et donc je suis sûr qu'il y aura énormément de monde, c'est ce qu'on vous souhaite. On souhaite ça pour la mutualité, on souhaite ça pour les spectateurs eux-mêmes, on souhaite ça surtout pour nous, pour la ville, pour le rayonnement, et puis pour notre rapprochement avec la Belgique, parce que les Bourguignons ont sévi par là-bas, et donc maintenant c'est avec amitié et fraternité qu'on vous accueille. Voilà, merci.